Bonjour tout le monde. Ici Gontran. C'est pas plus qu'à pas frisser aujourd'hui, c'est Gontran. Il a commencé à streamer. Ceux qui ne savent pas Gontran, le castor, c'est un castor. Ça a l'air que c'est un castor. Bon. Et puis, il a commencé à streamer un jeu que je viens d'avoir. Intim. Comme des bruits de tambour. Comment arrêter là? Comment arrêter ça? Donc, c'est un jeu de EA Game. Ou plus EA, tout court, maintenant. Ça n'existe plus. EA Game, EA Sport. BioWare et... c'est ça. Frostbite. C'est ça. En tout cas, je suis optimiste sur ce jeu. J'ai peur parce que c'est EA. Mais EA ont fait de très bons jeux aussi. Rappelons-nous Dead Space, Dragon Age, Harry Potter et la Chambre des Secrets, les Lord of the Rings. C'est pas mal ça, on me rappelle. Il Need for Speed, je pense, puis en tout cas, let's go. Donc, on commence ça. Faut que j'appuie sur X. Vous voyez, j'ai réussi la première phase. Gagner des niveaux plus rapidement grâce au bonus d'expérience dont vous profitez en du moins plusieurs. Donc, moi, je suis un castor druide de la forêt de Generat, d'une game de D&D, de Donjons et Dragons, que quelqu'un a créé. Et j'ai, ça a l'air que plugger une TV sur un arbre, ça marche. Bon, ben j'ai un problème de connexion, erreur de la première, hein? Ça commence bien le jeu. Wow. Donc on a un crash. Ça commence bien. Ça commence bien. T'essaies le jeu en partant, t'es pas capable de jouer. N'est-ce pas? Fantastique. Je veux jouer, s'il vous plaît. Deuxième tentative. Si ça marche pas, ça sera pas mieux que Fallout 76, hein? Au moins Fallout 76, tu pouvais jouer. Oui, il y avait des bugs, mais je pouvais jouer. C'est pas ma connexion internet, parce que j'ai pas de problème avec aucun jeu. Donc, c'est peut-être l'arbre, là, mais après ça, c'est prometteur. Ça a-tu marché, là? Ça a-tu marché? Quelqu'un? Ça fait peur parce que ça donne l'autre très longtemps. J'ai réussi à jouer au démo, là. Je suis capable de jouer à ça, là. Come on. Montre-moi une image dorée. Nous vivons dans un monde dangereux. Parfait. Les dieux qui l'ont bâti ont disparu, nice. Laissant leurs instruments qui jonchent notre univers sans but. Ok. Ces reliques exploitent une force incroyable que nous appelons l'hymne de la création. Mais l'hymne refuse de se laisser contrôler. Ok. Comme mon ex. Pour survivre, nos ancêtres ont créé les javelins et érigé des cités entourées de grands murs. Comme Trump, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je comprends. Aujourd'hui, c'est un groupe de héros dévoués qui doit faire face au chaos, protéger nos foyers et se battre pour notre survie. Nous sommes les freelancers. Les freelancers, ok. Nous allons au-devant du danger. Secourons les égarés, éloignons les monstres et neutralisons les terribles cataclysmes de l'île. Ok. Mais... tous les cataclysmes ne se ressemblent pas.
Non. Et même les freelancers doivent se méfier du pouvoir indompté de l'hymne. Ok. Ça commence bien. Chaque jeu commence une belle prophétie. On y est. Pas moyen d'aller plus près en arpenteur. D'accord. Il va falloir voler à partir d'ici. Falouk, entends ça. Ouais, à toutes les équipes, escortez les crypteurs à leurs amplificateurs. C'est parti. Qu'est-ce que c'est chaud. Freelancer, on est encore très loin du Cénotaph. Et la tempête est plus violente qu'on ne le pensait. Ok, on ne pourra pas s'approcher plus du centre sans mettre en pièce notre arpenteur. Allons-y, freelancer, équipez-vous. Ça va aller jusqu'où? Aucune idée. J'ai jamais vu un cataclysme de cette taille. Oh. Je m'en fais. Personne sortira d'ici vivant sans notre crypteur. Faites attention à vous là-bas. Ouais. N'oublie pas, on est une équipe. Je serai avec vous. What? Ok, freelancer. T'as beau être novice, tu serais pas là si t'avais pas de potentiel. Eh, Alouk, qu'est-ce qu'on attend? Que ça passe? Allez! Je vais peut-être enlever les phrases. Je pensais que t'avais besoin d'un peu d'avance. On se retrouve au Cénotaph. Nous, on y va. Oh, le coquin. Ok, tout le monde. Allons empêcher ce cataclysme de grandir et de tout détruire. Il ressemble à... Écoutez-moi. J'avais rien vu de pareil. Je serais pas là si j'avais peur d'y passer. Ok? Si l'Indien a trouvé Willy... Il ressemble à un Christ. Maelstrom n'est pas si différent des centaines d'autres ruines des démiurges qu'on a pu gérer. Il est simplement plus grand. C'est ça, notre boulot. Alors on va y aller, et on va s'occuper de toutes les saloperies qu'il nous enverra. Et on va dompter cette chose. Ensemble! Allons-y! C'est parti! Ouais! T'es prêt, Jasmine Alpha? Ouh, prêt! Victorieux seul? Invincible ensemble. Ouais! Mon dieu. Tu es pas le gros, moi? Non? Je suis l'énergique. Kyo kyo. Je crois qu'ils ont pris l'exosquelette de Dark Space un peu. Que je dis, j'essaie là, de te non. Trouver un point tranquille. Non. Tu calmes, Miller. Ton rythme cardiaque est trop élevé. Allô, réponse s'il te plaît. Des perruches. La nouvelle recrue est coincée avec une miserne. Boum, chakalaka. Et j'ai tombé. Freelancer. T'as survécu, quel soulagement. Ton javelin doit redémarrer maintenant. Je vais relancer les systèmes un par un. Début de la reconnaissance vocale. Je suis un gars ou une fille. Enfin, une fille. Comme dans chaque jeu. Faye. Faye, tu m'entends? 5 sur 5. T'as fait une sale chute. Ça va la tête? Tu te rappelles la mission? Je crois, ouais. Tu es où? T'es dans un cataclysme. Une terrible tempête qu'on appelle le Maelstrom. Tu dois te rendre au centre et neutraliser le Cénotaph. Ok. Ok, on commence le jeu. Ton réseau est toujours dans un état critique. Trouve un kit de réparation plus vite. C'est trop cool. Je vais juste... Je suis hors combat. Pas de booster, plus de munitions. J'envoie un signal de détresse parce que mon crypteur est dans le coma. Ok, compris. Les options sont où? Encore un titan à terre, mais notre crypteur perd le contact. On est fichu! Quand est-ce qu'ils vont sonner la tête? Il faut qu'on se replie! Non. Ok, reset. Jouabilité, commande audio. Vidéo. Interface. Accessibilité. Langage des sous-titres. Donc, je veux pas de sous-titres. Désactiver. Parfait.
Les systèmes de vol ne fonctionnent pas encore. Cataclysme du Maelstrom a fait apparaître cette Wyvern corrompue. C'est la bête qui vous a fait tomber du ciel. Ok, oh, ok. Oui! Sauter comme un lapin, c'est ce que le veut. Tu vas devoir faire un peu d'escalade pour y arriver. Alouk, ouais. Elle se dirige vers toi. Comment ça se passe? T'arrives dans combien de temps? Aucune idée. Faye? T'es pas loin. La lave. En fusion. Désolé, je vous reprends plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Prenez un kit de réparation. Appuie sur X deux fois pour faire un double saut. Double jump. Dans chaque lieu, il y a tout le temps ça. Poing! Le crypteur de l'Arpenteur 2 est HS. Il est dans le coma. C'est l'ancien vol à l'aveugle. Laisse tomber le look. Ok, je peux courir. Plein déverrouillé. Reste bien concentré. On se bouge, la bleusaille. On a besoin d'un coup de main. J'arrive. C'est quoi ça? Bon. Tournal, défi, bibliothèque. Titan. Oh. Question est titan. Si en cas de force majeure, vous devez affronter un titan, ça active les possèdes d'une force majeure. Ok. Plutôt rare auparavant, de nouveaux titans sortent en permanence du Maelstrom depuis quelques années. C'est pourquoi nous en avons appris beaucoup sur ces terribles créatures. Les titans se reproduisent en développant une extra-fixe croissance qui libère une copie plus petite d'eux-mêmes. Qui s'en va de son côté, mais plus petite ne peut pas dire moins dangereuse. Mais ça, hein? Ok. D'accord. Wow. Wow. Boing. Boing. Hey, des débris me bloquent le passage. Ce sont des pièces d'un arpenteur du Dominion qui date de le jeu complet est bien été installé. Ok. Exploser, au fait. Comme ça se fait. Boum. J'ai jamais vu un fusil de ma vie, mais je sais comment m'utiliser un dans un jeu. Utilisez votre capacité ultime. Oh shit! C'est quoi ça? Mise à jour. Ça s'annonce mal. Des scorpions avec un corps. Crypteur dans le coma. Dans le coma. Après avoir tué. Comment ça va, Faye? Tu tiens le coup? Ça va. Les gens font aussi. Avec les armes. Donc. On a un nouveau. Dans la bibliothèque. Une entrée des scorpions. Cette machine de guerre à six pattes est un prédateur véritablement fascinant. Je vais même me mettre. Ok. M'en fous de ça pour un lieu. Oh. C'est plutôt amusant ce jeu. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'envoies là, ça fait quoi? Il y a du magma. C'est plutôt amusant. Ok. C'est mon tableau. Oh shit. Oh shit. Il tonne. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Ça a l'air gros et beef. Holy moly! Bordel! Miller, j'ai trouvé ton titan! C'est le cataclysme, il nous en met un paquet sur les bras. Faye, t'es encore là? Oui. Il y a des signes de mort. C'est l'équipage de l'Arpenteur 2. Leurs javelins ont besoin de réparation. Remets-les en marche. J'arrive! J'arrive! Préparé. Ils sont trois, connectés en ligne. Ok. Maintenir l'ancienne grenade. C'est ça une grenade? Ah non, c'est ça une grenade. Taka 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 taka.
Mourez, bande de monstres! J'avoue que si j'avais ça dans mon... dans ma forêt, ce serait facile de tuer les monstres. Que juste une épée. Ce serait... plus facile. Aimes-tu à l'infini, me demande? Hein? Moi, je me demandais, peut-être que oui. Ok. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là. On va aller voir. Et voilà. Je vais changer chauffe. Singe et chauffe, c'est super bien ça. Troisième. Oh non. C'est un autre domaine là. Et toi aussi. Merci. Ton crypteur est dans le coma. Je retourne à l'arpenteur. Je me suis occupé des trois freelancers. Et maintenant, continuez. Hein? Combien de temps? Il est bien pas petit, lui. Laisse tomber. On le voit ici aussi. Il y en a partout. Je vais devoir faire le tour. Je vais par où, Faye? Oh. Oh. Aïe, aïe. Le titan vient de faire sauter un mur. Ça résout le problème. On a vraiment besoin de ton aide. Merci, titan. Je suis en route. Sympathique, la créature de roche. Il cherche à me consumer. Montrez. Hey, reprends-toi, on a besoin de tes infos. Désolé. Tout l'équipage de l'arc. Plus sur triangle pour une attaque au corps à corps. On va essayer de le prendre par le flanc. L'équipage de l'arpenteur 4 part en retraite. Enfin, ok. Laissez. Corps à corps. Ça fait loin. Je vais péter un câble. Alors tire-toi de là. Je m'en charge. Citoyen de Liberaria. Je fais au mieux. Promis. Ça va pas. Ça va pas du tout. Reviens. Retraite. J'entends l'hymne de la création. Faye, on a reçu l'ordre de repli. Ça va, on continue. Pas vrai? Entendu. Bien sûr. Mourez, créature dégueulasse. Je sais pas si c'était quelque chose, vraiment. Ok, on avance. Toujours un peu plus loin. Ah, te voilà. Ramène-toi. Faye sonne la retraite. Ça va le faire. Il est presque. Repliez-vous. Oh non. Il est mort. Non, il faut qu'on détruise ça. On continue. Adair. Non. Revenez à l'arpenteur. Cette mission est un échec. Je peux le faire. Regarde ça, fait. Il faut qu'on neutralise le cénotaphe. Je t'en prie. Je suis à deux doigts de m'écrouler. La fuite n'est pas une option. Pas maintenant. On a eu cette saleté. Il faut qu'on sorte de là. J'ai rien fait. Non. Continue. Il reste plus que nous. Pense à Miller, à Adair, à tous les autres. Joue pas les lâches. Je suis pas lâche. Non. Tu veux qu'on avance et qu'on se fasse tuer? Tous les deux? C'est ça? Il y en a deux autres. Encore plus gros. D'où est-ce que ça venait? Oh my god. Hey, on rentre. Non. On est vaincu, Alouk. Faut qu'on se replie. J'abandonnerai pas. Recrue, t'as pas intérêt de me tirer de là. Eh bien. C'est quand même... un bon début, hein?
Lorsque nous avons échoué à neutraliser le Maelstrom, nous n'avons pas seulement perdu des freelancers, des amis, des camarades. Nous avons perdu la confiance du peuple. Les freelancers se sont dispersés, cherchant désespérément un moyen de se racheter. Ceux qui sont restés ont tenu bon, se sont trouvés des alliés là où ils le pouvaient. Ils ont fait de leur mieux pour aider un peuple pour qui les freelancers n'étaient plus des héros. Deux ans après le Maelstrom. Que c'est ça? 20 lettres. Tu coordonnées, Owen. Une arrivée spectaculaire, comme d'hab. C'est rare qu'on me fasse des compliments. Oh, tu sous-estimes pas. En tant que crypteur, j'aurais pas pu trouver mieux. Tu pourrais chercher, mais on n'est pas nombreux. Le premier relais est pas loin. Pour l'instant, c'est un contrat facile. Au moins, tu t'en sortiras vivant. Inspecter des capteurs tous les mois, tu parles d'une vie. Ça paye les factures. C'est pas vraiment la devise des freelancers. Eh ben, en attendant que les freelancers soient de nouveau sur pied, on peut toujours profiter des magnifiques paysages de Bastion. Et c'est encore mieux en volant. Ouais. Sympa de me rendre jaloux. Appuie sur R3 pour voler. Pourquoi ça vole mal? Ces Koroks sont en forme? Tant qu'ils se contentent de manger des plantes. Des Koroks, c'est quoi ça? I believe I can fly. C'est la première depuis des mois. Les cartes de cette zone sont incomplètes. Voilà le relais, il suffit de redémarrer. Galapin trouvé, débrouille. C'est quoi ça? Les réserves de ravitaillement semblent intactes. Elles pourraient nous servir. Ça devrait remettre le réseau d'alerte rapide en marche. Parfait, ça a marché. Maintenant, tu vas devoir vérifier manuellement les capteurs. Le premier est tout prêt. Oui. Descends dans le ravin. Ah, voilà le premier capteur. Il va falloir que tu y accèdes. Stoppé. Approche-toi, que je capte les signaux d'énergie des démiurges. Attends, je détecte des mouvements. On dirait des scorpions. Oh non. Ces scorpions sont vraiment agressifs. C'est pas étonnant. Ça doit faire un moment qu'ils n'ont pas goûté à la chair fraîche d'un freelancer. Pas au menu aujourd'hui. Il va falloir leur expliquer. Tiens bon, j'attends encore les données. Owen, j'y suis presque. Oh. Ok, elle arrive. Quoi? Tout est normal, dans l'ensemble. Dans l'ensemble? On parle du système d'alerte rapide, là. S'il détecte quelque chose... C'est bon. Aucun signe d'énergie des démiurges. Rejoins le capteur suivant. Il y a une cascade devant, si tu veux refroidir ton exo. Pratique, en cas de besoin. T'approches du capteur suivant. Tu peux y jeter un œil, s'il te plaît? C'est quoi, ça? À
cause de toi, des bébés galapins viennent de se retrouver orphelins. Il galapin. Attends que j'obtienne les données. Aucun signe de scorpion, c'est déjà ça. Ils sont agressifs aujourd'hui. Qu'est-ce Owen, il se passe quoi là? Pourquoi tous les oiseaux décampent? Attends, je regarde ça. Bien relevé, ça va pas te plaire. Potentiel énergie des démiurges. Rejoins le prochain capteur quand on affine ça. Je devrais peut-être faire comme les oiseaux. Tu risques quoi là? Hérité dans le Maelstrom, pas vrai? Ouais, on n'en parle même pas. Tu vois, Cyrin, il y a une théorie selon laquelle une relique a inversé la gravité pendant un jour. Mais avec moi, ça se passera pas comme ça. Le dernier capteur est proche. Et les Wyvern aussi. Je les vois, ces cracheuses de feu. On doit toujours faire un scan. Laisse-moi une seconde que je récupère les données. Attention! T'as d'autres Wyvern après toi. Ils sont tous de mauvaise humeur aujourd'hui. Si ça se trouve, t'es dans la boue. Ça ne devrait pas être un problème pour la terrible tueuse de Galapin. Tiens, mon hyperus. Ça va bien, ça va bien. Oh non. Quoi? Les niveaux d'énergie des démiurges battent des records. Il y a une relique dangereusement instable dans le coin. Je pense l'avoir localisée. Je m'en occupe. C'est chaud, c'est chaud! T'inquiète pas, ton javelin résiste à la chaleur. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Tu verras bien. Les joints d'étanchéité tiennent le coup. Tu veux que j'appelle d'autres freelancers? Pas le temps. Si on attend, ça risque d'empirer. Oui. Les ruines des démiurges. On est sur la bonne piste. On dirait une serrure à écho qu'on va devoir ouvrir. J'ai déjà eu affaire à ça. Regarde les lumières qui flottent tout autour. C'est ça, les échos. Prends-les et amène-les à la porte. Mon javelin peut emporter trois à la fois. Ça fonctionne. Ne me demande pas comment, je suis pas arcaniste. Il te faut d'autres échos. C'est bien. Un fragment d'énergie de l'hymne à la dérive. Tu commences à prendre le pli. Ton exo ne peut en transporter que trois à la fois. Amène cela à la porte. Ça devrait suffire. Voyons si la porte s'ouvre. Et voilà, c'est facile. Tu parles de puzzle, Joel. T'as réussi. On peut entrer. Impressionnant. Même pour une ruine de démiurge. Ça sert à quoi? À créer une montagne, un océan, une nouvelle monstruosité. Il y a forcément une raison derrière tout ça. C'est l'énigme de notre monde. Et celle-ci se réveille. Je détecte une intense énergie plus loin. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est quoi tout ça? Un instrument de torture. Elle doit savoir. Il n'y a pas de carte de Cyrin. Qu'est-ce que c'est? Oui! Ça, tu vas finir par surcharger. Les commandes de vol ne répondent plus. J'essaie de réinitialiser. Tiens bon. Oh, c'est juste de l'eau. Owen,
Commande rétablie. À toi de jouer. La relique est là-haut. Et elle n'est pas petite. Tu vas devoir la neutraliser. Par où je commence? C'est quoi ta paille là? Les échos se sont dispersés. Trouve-les et remets-les en place. D'accord. J'en ai trouvé un. Tu sais quoi faire? Il t'en faut d'autres. Deux. Trois. Ah, faut bien en apporter 6. On y va. Continue à replacer les échos et la poche d'énergie se dissipera. La relique, qu'est-ce qu'elle fait? On va savoir. La poche d'énergie grossit de plus en plus. Quelque chose est en train de se former là-dedans. C'est quoi? Tout est possible. Regarde les chutes d'eau, elles coulent à l'envers. Imagine un peu. Lynn est catalysée là-dedans. C'est de la création à l'état pur. Quelque chose de totalement nouveau. De nouveau et de dangereux. C'est la faute des démiurges. Il n'en reste pas moins fascinant. Et voilà, le dernier écho. T'as réussi, ça devrait la neutraliser. Ça a pas tenu. Je vois ça. C'est pas vrai. Ça commence. T'as de la compagnie. Ça gèle. C'est quand tu veux. Oui, j'essaie de réfléchir. L'énergie des démiurges toujours en augmentation. C'est qu'un échauffement avant l'arrivée du cataclysme. C'est trop intense pour un échauffement. Je t'avais dit que tout était possible. Tu vas devoir te farcir ça, sans quoi ça fera qu'empirer. Ok, tiens bon. J'ai peut-être une idée. Donne-moi une minute. Bon, je pense qu'on peut encore arrêter ce truc. Ces fragments d'un relique qui ont éclaté. Récupère-les et rassemble-les. Ah oui, j'ai oublié la partie sympa. T'as de la compagnie? J'en ai un. Rapporte-le et remets-le en place. Le fragment est en place. Il y en a d'autres. Tim, tu vas t'en tirer? Je suis pas sûr. Owen, il y a quelque chose qui gronde là-dedans. Quelque chose de biologique. C'est tout ce que je peux dire avec certitude. J'espère qu'il ne s'agit pas du chef suprême des Galapins. Owen, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc quelque chose a des dents. Beaucoup de dents. Plus vite. On sent un boss. Désintégré par une relique. Ouf, disparu. Et lui, il a eu moins de chance que le freelancer qui s'est retrouvé les tripes à l'air. En quoi c'est de la chance? Au moins, lui, il est mort et c'est tout. Oh, quelle galère. Bah oui, comme toujours. Des énigmes que seuls les démiurges peuvent comprendre. Non, je veux dire qu'il y a de la glace qui bloque. Neutralise ça. Ouais, bah je sais. Va le dire à celui-là. C'est un Ursix. Ça fonctionne pas. Active-toi un peu. C'est bon. C'est gros. Et c'est méchant. Bon, au moins j'ai une nouvelle anecdote. La fois où une relique a créé un Ursix géant qui a failli t'avaler. Ouais, cette histoire deviendra un classique. Avec ça, notre contrat est rempli. Alors retour à Fort Arcis, on peut bien travailler. Comme tu veux.
Comme toujours, je suis en joie. Je pense que le prologue l'a fait. Alerte rapide. Aller en ville, m'a sauvegardé, ou je sais pas trop, puis m'arrêter le stream, je vais m'aller manger bientôt. Une bonne bûche. J'ai eu peur au début parce que ça avait comme un petit bug, là, mais. Ça a l'air d'être correct, là. C'est la ville. On va faire notre personnage. Ouais, j'aime bien ça. On commence à jouer avec ce personnage. Je veux juste comme... Nous y voilà, de retour à Fort Tarsis, le dernier poste frontière de Bastion. Mais c'est ma freelancer préférée. J'ai entendu dire que t'as pas chômé. Tu connais la routine, Zoé. La catastrophe du jour a été évitée. Qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Mais rien. Mon armure va très bien. Enfin, j'espère. Bienvenue à la maison. Tu viendras me voir dans l'enclave, je serai à mon amplificateur. Y a un problème? Non, pas de problème. Plutôt l'inverse, je dirais. Passe quand tu peux. Bon, je vais arrêter le stream, moi je vais jouer tantôt. Puis, on a fait l'intro, je pense. Ça a bien été. Donc on se revoit tantôt.